R. Attends, faut que je te l'envoie. Je vais te l'envoyer parce que là, tu m'inquiètes là. Ben oui. Ben non, il n'y a pas d'R, il n'y a pas de majuscule. Bon, par contre, n'oublie pas, te téléporte pas. Hein. Bon, après, si comme les autres, ça te gêne qu'il y ait le. Ah, j'ai eu peur. L'espace d'un instant, je sais pas pourquoi, j'ai cru qu'il y avait plus de. Comment ça s'appelle? Qu'il y avait plus les trucs des autres, quoi. J'ai dit. Donc en fait t'étais où là? T'étais à l'intérieur de ma propriété, c'est ça? Ah oui, bah oui, bah oui, non, c'est la première fois que vous arrivez que vous apparaissez à côté de moi. Ouais, d'accord. Bon après si tu veux remettre en plein jour, en plein jour, etc., je t'en voudrais pas. Hein. Quoi. Alors il me faut des murs, il me faut des angles et il me faut des escaliers. Mais j'ai en fait. Alors mur en bois renforcé, escalier. Hop. Bon, alors là, je dois commencer à refaire un escalier. Polonais. Bon, j'ai pas trop compris pour le truc de remettre le jour sans emmerder les paramètres, mais c'est pas grave. J'ai une torche. Non, mais justement, j'ai pas trop compris comment on fait le truc, donc du coup, voilà quoi. Ah ouais, mais quand même, hein, le ciel il est gris-noir, quoi. Putain, la tour à sa souris, sa mère, je sais pas jusqu'où je vais m'arrêter, mais je vais faire quelques étages en plus. Après, je vais m'attaquer à celle de Scornoob.
Dis-moi, l'endroit où tu as mis ta première base, je vais supposer que tu vas à un moment donné, tu construiras ailleurs aussi. J'ai vu que tu avais rajouté j'allais dire des cubes pour le, enfin des cubes, des fondations pour le sol, pour assurer le truc. Mais sinon, est-ce que tu n'avais pas la possibilité, genre, de faire une tour ou quelque chose dessus? Il m'en manque un ici, mais de toute façon j'en ai plus, donc il faut que j'en récupère d'autres. Putain, pourquoi on a. Bon, bien sûr, Seb il en a une, mais sinon pourquoi on n'a pas tous une copine qu'on pourrait faire venir? Il commence à y avoir enfin des gens dans la partie et tout ça, on est tous entre mecs. Armature en bois. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. What? Pourquoi mon encombrement il me signale que. Vous êtes sérieux? Mais non, mais je dis pas ça, mais c'est sûr. Là, je me suis fait spawner des trucs, mais c'est surtout que l'encombrement, l'autre fois, je l'avais. Enfin, tu sais, je l'avais trafiqué, quoi, pour être pour être libre, quoi. Je pensais que ça restait, moi. J'ai pu me raccrocher au bord. En fait. Oh, mais du coup, je l'ai pas assez. Il y a encore tout ça? T'es sérieux? Non. Je suis à combien de pourcents là? What? Ah, d'accord. Non, mais carrément, il m'a mis. Comment ça s'appelle des tas. Il m'a créé des tas pour les fenêtres dont j'avais besoin, alors que voilà quoi, j'avais pas. Ça c'est magnifique ça. Attends. Vous avez fumé Rockstar. Enfin Rockstar. Alors, on continue.
J'aimerais bien qu'il s'arrête le mauvais temps, puis qu'on ait quelque chose d'autre, quoi. C'est pas très agréable de construire par un temps dans une ambiance pareille, quoi. Bah, tu vas me dire, on voit bien, mais quand il fait nuit, on voit bien les rayons de lumière de mes autels religieux, mais. Escalier maintenant, allez hop, pouette. Puis j'ai bien. Ah si, des angles sauvages, j'en ai en réserve, j'ai peur. Hop. Regardez-moi cette vue. Regardez-moi cette vue. Putain, avec. Je suis en train de me dire que j'aimerais bien avoir une tour aussi grande, moi aussi, mais je saurais pas quoi foutre dedans après. Mais bon, après du coup, si ça peut lui faire plaisir, bon ben voilà quoi. Lui en gros il m'a expliqué qu'il voulait qu'elle soit super haute, mais il m'a pas dit en gros il m'a pas donné de limite quoi. je vais dire c'est pas la tour de ouais bah, ah putain ah de justesse ouais voilà ouais. Sauf que la mienne elle penche pas hein. Comment t'arrives à faire un truc pas droit alors que quand on réussit à poser une fondation, forcément c'est bien à l'horizontale quoi. Les fenêtres. Qu'est-ce que tu es en train de regarder, toi? Ouais, mais c'est quoi un truc sur les conseils papa-enfant ou quoi? C'est quoi le délire, hein? Qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire comme merde, les pauvres? Ouais, et en championnat de France, ils font quoi? Enfin, j'ai envie de dire. Bon, ok, tu peux avoir un super niveau, mais on est dans la réalité, là, on n'est pas dans l'Ivetom ou je sais pas quoi, c'est pas une seule équipe qui gagne tous les trucs, etc. Moi, le truc que je me pose la question, par contre, c'est que d'après le peu que je sais ou crois savoir, c'est qu'ils ont toujours des sponsors et un budget gigantesque et qui te font des achats de joueurs ou divers trucs de malade. Et là, tu es en train de me dire, ils n'ont pas de résultats depuis un certain temps. Et les mecs, ils ont toujours au top financièrement. Explique-moi le délire là. Putain, moi je serais le, enfin, je veux dire le président, l'actionnaire, machin. Je dis, ah ouais, vous faites pas de résultats, ben paye divisé par deux déjà, minimum. Putain.
non, mais là, tu as pris la mauvaise comparaison. Les pompiers, malheureusement, enfin, voilà. Mais je veux dire, c'est un des sports, bon, qu'on l'apprécie ou pas, foot, c'est un des sports les plus populaires de la planète. Donc, du coup, tu as une tonne d'argent qui circule, c'est à tel point que c'en est indécent, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que moi je en partie pour ça que j'arrive pas à accrocher parce que je veux dire c'est écœurant tout ce qu'ils ont quoi. Et là regarde il faut c'est un des les... Non mais après bon faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est pas n'importe qui peut faire ce que le, qui peut évo, et, enfin voilà qui peut être footballeur professionnel, on est d'accord, mais enfin quand même quoi. Tout ce qui. Mais oh, tu vas le placer ton triangle de merde? Putain. Bah avec tout ce qu'ils gagnent, je vais pas pleurer pour eux, que ce soit le PSG ou n'importe quelle équipe d'ailleurs. Enfin, à la rigueur, une équipe, tu me dirais, ouais, c'est une équipe de petits, ce qu'ils appellent les petits poussés à la télévision. Une équipe de petits, censée être de petit niveau, qui parfois a réussi à se hisser à tel truc en battant telle grosse équipe. Voilà. Eux, à la rigueur, ils méritent, quand il y a des trucs comme ça. C'est pas des primes qu'il leur faudrait, c'est enfin si une prime mais d'un niveau monstrueux, rien que pour montrer que rien que pour punir les gros clubs. Voilà, vous êtes payé des millions et vous faites niquer par un mec par une équipe comme ça quoi. Comme quoi c'est pas l'argent qui fait tout quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non mais d'accord, mais pas tout. Tu vois, l'argent, tu peux payer l'arbitre ou tout ça. Si tu éventuellement, si tu mets un but, l'arbitre corrompu ou pas, il sera obligé de le compter. Hein. La 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 la, je pose. Bon alors, ça vient cet arrangement de la météo là? On a toujours un truc tout pourri là. Après voilà, bon, on fait pas encore spécialement d'exploration ou quoi, même si à un moment donné on pourra en faire, je pense pas que ce sera la majeure partie du temps de jeu. Mais je redis ce que j'avais dit l'autre fois, là, même si à des moments donnés j'ai regardé des vidéos pour essayer de comprendre, ou des trucs écrits pour comprendre tel truc, etc. Là, pour le toit de la, quand je fais pour le toit de la tour, j'ai bien dit le toit parce que. Pour en faire une, il m'a fallu un petit. Il m'a fallu un mot. Ouais, non mais je veux dire, j'ai regardé 3-4 fois. J'ai regardé 3 ou 4 vidéos, je sais plus. Et quand je dis 3 ou 4 vidéos, c'est après, t'es, genre je faisais un essai ou je sais pas quoi. En gros, c'est qu'à au moins genre à la quatrième tentative que j'ai commencé à. Que j'ai su poser ma base quoi. Par contre pour le toit à un moment donné j'ai essayé et fait tout seul quoi, comme un grand. Ah j'étais content. Moi, je me demande si je suis pas en train de déconner avec ma tour là. Je lui fais un truc, je monte, je monte, je monte. Mais il va mettre quoi dedans, putain?
Salut, une quête. Ah, ça y est. Oui. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. En tout cas, déjà, sur le haut du... Je vais appeler ça le haut du chantier, j'ai une belle vue. Mais c'est dommage qu'il y ait une putain de météo qui te gâche tout! Ah ben il pleut, il pleut, il pleut et le ciel il est toujours gris-noir. Hein. Merde. Remets-moi ma torche. Merde. Uruk-hai, non, sur le coup ça me dit rien, mais des fois j'ai une bonne mémoire, une cut, et des fois j'ai bah, une mémoire de merde, donc non, là sur le coup ça me dit rien, désolé. Bah oui, je les ai les triangles là. Ah. Éclaircissement du ciel. Ah, la pluie qui s'arrêtait de tomber. Ah, ok, merci, une quête. Quand je sais pas ce qui se passe, il veut pas poser mon triangle. Qu'est-ce qu'il me fait? Bah, je vais essayer d'aller de l'autre côté. Ouf, ouf, ouf. Ouais, de l'autre côté, pas de problème. Donc, en gros, quand j'arrive au moment de faire un étage, je décide de. Bah de faire le sol dans le sens en passant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, je sais pas pourquoi il a dit bah non. Bon bah c'est vrai, j'ai pu le remettre. Ils nous ont raid avec Mitra. Mais non, je connais pas. Tu veux dire c'est un autre joueur, un youtubeur, une quête? Moi perso les purs je crois savoir ce que c'est mais j'en ai jamais vécu une. Tiens d'ailleurs ça me fait penser à un truc là. Mais il y a un viewer qui me pose des questions donc j'essaye de lui répondre. C'est où qu'on regarde le truc des purs là? Ah d'accord, on a même pas de jauge de purs. Ah, il y a quelqu'un qui avait dû l'enlever. Il y a quelqu'un qui avait dû l'enlever. Mais ça, bizarrement, ça comment s'appelle ça, il reste ce paramètre. C'est rigolo. Hein. Un clan alpha sur un serveur officiel. Non, on connaît pas. J'ai jamais joué encore sur un serveur officiel. Je sais que je devrais. Histoire de pas perdre. Ça aide à pas perdre le sens des réalités. Mais alors purge. Ah ben oui, il y a quelqu'un qui l'a enlevé, ouais. Ah bon, c'est bon, je sais où c'est. Bon, un de ces jours, faudra tester, voir ce que ça fait. Ouais, c'est... Bon, moi je dis forcément, faudra que ça tombe sur votre gueule, hein, parce que voilà. Non. Et quand tu... Non, on va leur expliquer le truc et dire non, vous allez attaquer la base d'un tel ou un tel, parce que voilà quoi.
Ah, en fait, c'est pour ça que tu vas te faire un truc où tu as le décor de la base, de base qui est en hauteur. Parce que tu veux pas te faire attaquer quand tu auras les raids, quoi. Les purges. Ah, le filou. Tout à fait, mais écoute, on est dans la zone, alors je sais pas comment il faut appeler ça, de la ville, de notre domaine, etc. machin. Viens me rejoindre au sommet de mon chantier, tu verras que la vue commence à être pas mal. Bon, pas encore autant que la tienne, mais, pas autant que la tienne, mais elle est pas mal quand même. J'avais rejoint des gens et au final j'avais un bon loot et ils m'ont exclu et tout pris. Mais quand tu dis exclu, tu veux dire les gens du groupe. Attends, ah non, c'est la crime là. T'avais rejoint les gens. Mais oui, si, je peux quand même poser la question. Bah, déjà, bonjour. Et quand tu dis qu'ils t'ont enfin, ils t'ont exclu, donc tu veux dire c'est les gens du groupe avec qui t'étais. C'est pas genre t'étais en groupe, à un moment donné il y a des joueurs qui vous ont sur un tel serveur, à un moment donné il y a des joueurs qui vous ont attaqué et qui ont pris ce que t'avais. Que j'allais dire, je suppose que dans les serveurs normaux, ben voilà quoi. Si tu tues un joueur, tu peux récupérer ce qu'il a sur lui, etc. quoi. Mais là, tu parles de que tu connaissais ou que, enfin, je veux dire, voilà, en gros, on t'avait invité, enfin, on t'avait. Ça, c'est le responsable du serveur qui t'a dégagé ou la responsable. Bah écoute, je sais pas quoi te dire, mais bon. C'est vrai que si t'es pas en communication avec les gens, tu sais, genre par Facebook ou en vrai ou tout ça, ben, en théorie, le responsable, enfin en théorie, en pratique, le responsable d'un, j'allais dire, d'un site, d'un truc, un machin, il peut te dégager sans avoir à se justifier. C'est dégueulasse, mais bon. Mais bon, je suis d'accord avec toi. Moi, après, peut-être tu as fait une connerie, peut-être t'en as pas fait, mais si tu veux, moi. Que ce soit en jeu ou ailleurs, avoir un problème avec quelqu'un et pas comprendre pourquoi, pas avoir d'explication, c'est. Ouais, enfin, ouais, c'est pas le terme que j'emploierais. En fait, je sais pas quel terme j'emploierais, mais ouais, c'est pourri, quoi. Je suis d'accord. Tu jouais sur un serveur officiel ou un truc. Enfin, j'allais dire un truc privé, enfin. Un truc comme je fais avec les collègues pour l'instant ou il y a une cut qui est avec toi dans le live et lui apparemment il joue sur serveur officiel. Peut-être il a des conseils à te donner. C'est pas que moi je veux pas, c'est juste que je l'ai encore jamais fait serveur officiel. Je finis le sol de cet étage et après je regarde comment la vue a évolué. Bah, elle est belle ma propriété quand même. Putain, même de haut, machin, sous tous les angles que tu le regardes, la propriété d'un le château, enfin ouais, le truc d'un mec là, bah, je vais l'appeler Anaconda, là c'est le viewer. Le truc, il a toujours autant la classe quoi. Bon, cette vue-là, j'allais dire, on s'en fout, c'est lui qui verra puisque c'est la propriété du mec pour qui je fais la tour. Et puis ça, c'est évidemment, c'est la mienne. C'est dommage, le carré de la base principale, il n'est pas. Il n'a pas l'air droit, il n'est pas droit vu d'ici. Mais c'est pas grave. Je me pardonne. C'est que les gens, tout le temps 18h sur 24, ils peuvent venir avec des jarres explosifs, pète ta base ou un dieu. Serveur privé, il avait. Ah, un serveur privé?
Ah oui, ben oui, enfin, quand tu dis serveur privé, parce que je veux dire, tu sais, t'as le truc où quand tu l'achètes, en fait, je crois que c'est même pas un achat, c'est Dimitri, le truc, tu dois payer tous les mois ou ça se passe comment? Voilà, donc tu peux pas acheter, d'accord. Donc quand tu loues ton serveur, les gens ils peuvent venir si t'y es pas. Est-ce que c'était un truc comme ça, la crime? Ou est-ce que c'était ben, un machin comme là, bon, j'allais dire, je vais appeler ça privé parce que je sais pas comment appeler, ou un machin comme moi privé, où les gens ils peuvent pas rejoindre si l'autre il y est pas quoi. Parce que là il dit en gros ce qu'il dit c'est que bon il a dit serveur privé mais est-ce qu'on parle bien de la même chose? Que les, en gros, il a l'air de dire que les gens ils l'ont exploité puis qu'après ils l'ont dégagé quoi. Alors exploiter, j'imagine que ça peut être par exemple, tu vois là, bon moi je le fais avec plaisir, hein, si à un moment donné le mec il me faisait une crasse dégagée, bon ben je sais pas ce que ça pourrait être, mais voilà, mais si tu veux là je veux dire je les aide pour certains trucs de construction ou ce qu'on me demanderait. Moi, ça me fait plaisir, ça m'entraîne, ça occupe, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, Dimitri, pour lui, apparemment, j'imagine qu'il y a eu des trucs comme ça, mais que comme lui, il a les DLC et qu'eux, il n'en avait pas, genre, ils ont dû lui demander de spawner des trucs et que, voilà, quoi. Ah oui. Alors, elle est pour qui, ta question, une cut, hein? Parce que si tu poses la question, moi, comme religion, j'ai pris 7. Et que je sais plus si j'ai eu ça à la loyale ou pas. Je crois que j'ai eu à la loyale le truc. En fait, c'est l'augmentation du niveau du lieu de prière que j'ai cheaté. Mais à moi? Moi, oui, à moi, j'ai 7. J'ai testé ça une fois pour déconner. Mais c'était la première fois. Je savais pas du tout manipuler le truc. C'était le serpent. Je voyais une vue. J'ai voulu le tester sur le village. Donc, déjà, comme un con, j'ai fait ça en plein milieu. Moi, je me suis dit. T'appuies le truc et le dieu il apparaît quoi. Non, non. T'as ton personnage, il bouge les bras et il fait son invocation pendant je sais pas combien de temps il faut, c'est 1 minute, 2 minutes, enfin pendant de plusieurs longues secondes il fait ça. Donc déjà, faut pas le faire en plein milieu des ennemis. Non, 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 non. Et après, une fois que j'avais le truc, je voyais une vue du dessus, d'assez haut, et je voyais mon serpent. Comme ça, et c'était moi qui le contrôlais, mais je savais pas comment on faisait sa mère quoi. Donc du coup je savais pas si j'arrivais à détruire des trucs machin. Puis comme j'ai voulu le tester là sur le truc d'Asgard qui est un truc du jeu, je savais pas du tout si je détruisais des trucs à eux ou si tout ce qu'ils pouvaient faire c'était manger des PNJ quoi. Mais sinon ouais, regarde le médaillon il est là. Mais bon, comme c'est une partie privée où on peut cheater, etc. Ben en fait, on peut avoir tous les dieux qu'on veut, tu vois ce que je veux dire? Mais le seul test que j'ai fait, c'était avec le serpent, pour l'instant. Et la crime qui dit, oui, ça, comme ça, ils ont eu les armes, armures, construction du DLC, après, est-ce qu'ils ont eu ce qu'il fallait? Hop, ils l'ont dégagé. Pff. Bah à la rigueur, moi si je peux te conseiller un truc, si les gens, la crime, si les gens tu les connais pas, genre tu rentres dans un serveur officiel, enfin soit officiel, soit créé par quelqu'un d'autre, hein, voilà. Tu rentres dans un serveur, quel qu'il soit, avec des gens que tu connais pas. Si tu peux aider pour certains trucs, fais-le, mais que tu sais que ça reste genre général, tu sais, avec les trucs du jeu que n'importe qui peut avoir. Après, s'ils te permettent de faire. Si on te met admin, bon ben voilà quoi. Par contre, quand tu en es à créer ta base, ta maison dans ton truc, là tu peux utiliser des trucs à toi. En gros, ce que je veux dire, c'est tu as les DLC, je dis pas ne les montre pas, mais. Oui, non, mais je veux dire, si. Voilà, que tu sois pas dans la même tribu, donc, enfin, si possible. Après, si tu es dans la même queue, tu vois, moi, pour qu'il n'y ait pas de problème avec les animaux, etc., on se met tous ensemble.
Ouais, si un jour on fait des trucs spéciaux, ce sera pas genre on aura activé les purges, il y aura des PNJ, ou alors ou en attaquer des monstres ou je sais pas quoi si jamais on explore, mais voilà. Pour l'instant, on s'amuse à être entre nous, à construire, etc. Mais en gros, tu mets rien dans tes. J'allais dire, tu mets rien dans tes coffres. Tu vois ce que je. Enfin, je veux dire, enfin, genre, tu mets pas des réserves d'armure ou machin. En gros, si ça concerne ton personnage, genre outils, armes, armure, costume. Tu en fais spawner, tu les fais spawner de manière à ce que, enfin, à ce que ça reste sur toi. Et tu t'assures que. Même s'ils sont pas dans son clan. Ah. Ben à ce moment-là, avant de déconnecter les trucs, mec, tu te les supprimes et tu te les rajoutes à chaque fois. Je sais pas trop comment dire. Ah ouais, voilà, ouais, tiens, je sais pas si t'as entendu le collègue dans la partie, il dit, tu mets des trucs dans un coffre et le coffre, ben, il faut que tu te rappelles son emplacement parce que ça, c'est pas marqué sur la map, quoi. Par contre, le temps, il est, je veux dire, il est beau, bon, là, il pleut, mais le ciel, il est éclairci, mais du coup, ça reste le même, ça évolue plus, quoi. Tu m'as fait de la merde avec la météo, toi, encore, hein. Sévérité du climat, sévérité du vent. Je sais pas trop quoi dire là, sur le truc là, je sais pas utiliser ça, peut-être dans paramètres normaux. Général, JCJ, gnagnagna, machin. Cycle diurne nocturne. Utiliser le rattrapage temporel, vitesse de passage, rattrapage temporel. Je sais pas, moi. Je sais pas comment arranger le temps. Oh là là, je lague. Oh, je lague. J'ai eu peur. Ah ouais mon gars, la vue, elle est pas mal. Eh, c'est quoi ça là-bas? Ah, c'est en direction de où t'as ton truc toi? Ouais, je suis content. Ouais. Maintenant, je voudrais un ciel bleu, s'il te plaît. Y'a moyen ou... Non, mais je peux faire le cochon. Ok. Bon, bah écoute, je pense que déjà la tour, elle a dépassé la limite minimum
que le collègue m'avait donné, ça, il n'y a pas de problème. Je pense que je peux me permettre d'arrêter là. Allez, c'est bon. Je lui fais ses murs. Alors, armature, ça c'est les fenêtres. Alors. Par contre, là, après un cut, je me rappelle plus, non, je crois pas. Mais la crime, bon, je vais quand même m'adresser aux deux. La crime uncut, faut que vous sachiez, par rapport au fait de regarder des lives ou quoi, faut que vous sachiez qu'en fait, je suis capable de me connecter avec n'importe quelle heure. Donc moi je fais des, j'appelle pas ça vraiment une chaîne vu que comment dire? Ah, ben, je veux dire, j'ai pas de matériel. Je fais que des lives. Donc des fois, souvent, t'as des trucs, ils vont faire plusieurs heures. Et j'imagine que si quelqu'un... Merde. Ah non, c'est bon. Que si quelqu'un arrive comme ça, qui voit des vidéos qui font, qui sont super longues, les personnes, ils vont pas regarder ça, quoi. Sauf s'il y a un titre, un sujet qui les interpelle. En gros, je vais pour jouer avec moi, jouer avec moi ou ne serait-ce que regarder. Ben, si vous me dites à ce moment-là, si vous me dites pourquoi est-ce que je fais le truc, ben, c'est tout simplement pour papoter, pour partager ce que je fais, même si c'est de la merde, et papoter s'il y a des gens en direct. C'est pour ça que en fait, je fais pas attention au nombre d'abonnés, vous voyez. En live dans une demi-heure, ben, si j'ai pas de bug du jeu, ouais. Au pire, si jamais j'ai un bug et que je dois relancer, ben, je réessayerai. Parce que des fois, le jeu, il nous casse les bonbons. Voilà, là c'est fermé. Bon, mais par contre, maintenant, du coup, je suis à l'intérieur. Faut que je redescende dans ma tour au bas de ma tour pour. Ben, si on est, si j'aime, selon leur, si t'es là quand je me co, enfin, si je suis là quand tu te co, pourquoi pas? Moi je dis jamais non. Après, il faut voir si on est sur le même jeu, si on est seul ou pas, tu vois. Alors du coup, je vais compter les étages. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Je crois que ma tour elle a 13 étages. Si c'est pas beau ça d'avoir fait ce chiffre-là, 13 étages. Ouais. À bientôt, Uncut. Bon, par contre là j'ai la flemme d'escalader, donc je vais voler là. Voilà. Donc maintenant, déjà, j'ai enlevé de mon inventaire tout ce que j'ai plus besoin. Voilà, ça c'est fait.
j'essaye de voir par rapport à la mienne là. Glace. Angle de toit. Alors, il me faut. Y a pas un truc de rampe là-dedans? C'est une rampe que j'avais utilisée là-bas, non? Ah, voilà, dalle de toit inclinée. Alors, je vais en prendre. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en veut mieux trop que pas assez. Et enfin. Je suis con, j'ai qu'à aller regarder à ma tour comment ça s'appelle. Panneau. Attention. Je vais avoir lui. Oui! Mon personnage, il court dans les airs, s'il te plaît. Yeah, même à une certaine distance en hauteur, ton personnage il capte la présence des danseurs, quoi. Angle de toit incliné en bois renforcé de glace noire. Angle de toit. D'accord. Mon personnage, c'est Zenyatta. Il se déplace en étant. Accroupi. Donc là, j'ai. Bon, j'ai sélectionné un truc, on va bien voir si c'est le bon. Et on dirait que oui. Donc, bon, bah, y a bien un endroit où il faut choisir le.
Vous êtes sérieux, c'est trop compliqué de mettre un truc dans le bon sens là. Oh. Bon, ben d'accord, j'ai compris, je vais me remettre à voler, mais putain. Non! Ah, je me suis trompé. Mais pourquoi il veut pas aller sur l'onde concernée, la conne de sa race? Il va partout sauf dessus là. Non, non, mais il est con ce perso.
Bon, bah, tant pis, c'est quoi? Allez, allez. Quoi leur délire là? Ils veulent que je mette quelque chose en dessous? Quoi là? Allez! Peut-être si je mettais des piliers à cet endroit-là, non? Allez, mais saute, saute, putain de perso de merde! Allez, mais il est con! Il est con! Y a rien à faire, il veut pas le faire ce truc, mais c'est qu'est-ce qui c'est quoi son problème?
putain de perso. Ça y est! Putain, j'ai compris. C'est en fait... En fait, Dimitri, quand je finalise le toit, ce qu'il lui faut, t'as vu quand tu fais quand t'as une pièce où t'as un plat qui est très très grande, et que tu veux lui faire un toit, tu vas pouvoir faire sur les bords et puis à certaines fois sur les quand tu veux commencer à avancer à faire le plafond sur l'intérieur, il va te dire que tu peux pas parce que tout simplement parce qu'ils peuvent ils te demandent en gros ce que tu dois comprendre c'est que tu dois mettre un pilier ou quelque chose pour soutenir. Et c'est ça qui veut cette petite partie de toi. Je pouvais le faire quasiment entièrement, mais pour y, sur 6 parties, quoi. Je pouvais en poser 5, mais sur l'autre, il me cassait les couilles tout simplement parce qu'il lui fallait quelque chose pour soutenir. J'ai placé 3 angles, 3 trucs à l'intérieur, tu sais, style plafond ou machin à l'intérieur, même des piliers, et là, bizarrement, le truc il s'est mis d'un coup. Ça y est! Elle est finie, ma fucking tour! Viens la voir. Hop. Panneau administrateur. Là par contre je vais voler parce que j'ai du mal à me mettre. Hop. Ah, direct en position zénithale. Ah putain mon gars. Attends, elle est dans quelle direction ta base? Elle est par là. Bien sûr, c'est pas un endroit au sommet duquel tu peux te tenir, vu que c'est une pointe. Et en plus, je suppose que ton personnage il peut avoir du mal à cause de la matière. Enfin, je sais pas, glace. Moi, glace, tu glisses quoi. Mais. Moi, je te dis, après, là, c'est, pour le truc, c'est le coup, c'est pas mon problème. Hein. Lui, tu sais, de la remplir, décorer, mettre des trucs dedans. Ça va être à lui quoi. Et pour le coup, bon ben maintenant je maîtrise le truc de faire une tour. Après pour la remplir, ça va être sans problème. Même toi si t'en voulais, je pourrais t'en faire une aussi. Hein. Par contre, plus tu la voudrais haute, plus ben je mettrai de temps quoi. Mais pareil, hein, c'est comment ça s'appelle? C'est vous qui voyez comment les remplir. On ne dira pas qu'avec ma propriété, j'ai réquisitionné le plus gros point d'eau du coin, quoi. Je pense au PNJ, bien sûr, pas à vous. Hein, tu viens ou enfin, tu fais quoi là? Ah. Ouais, mais bon après faut voir c'est quoi aussi. Mais tu peux le faire en volant. Moi c'est juste que voler, j'aime pas construire quand je vole parce que le point de vue, tu sais, avec le point ta visée, il est pas tout à fait le même. Ça me casse un peu les bonbons. Donc du coup, je vole que si vraiment j'ai pas d'autre moyen de faire mon truc. Quoi. Eh ben putain. J'adore le mec qui me laisse un message. Préviens-moi quand t'écho. Quand je lui écris, bon ben on se fait des petits coucous et tout. Mais après ça, il se pointe combien de temps après?
Oui, non, mais à un moment donné, à un moment donné, tu me parlais. Bon, c'est vrai, je sais pas ce que tu étais en train de faire, mais tu me parlais, quoi. C'est pour ça que je me dis, bah, il va arriver, ça y est, quoi. Bon, bah, j'allais dire, bah, si tu veux, j'allais dire, on est sur Conan parce que c'est pas quoi foutre d'autre. J'ai fini la tour de Fabrice, mec. Et tu sais quoi? Bah, elle était bien avancée, mais c'est quoi? Le hasard a fait que, mec, je lui ai mis 13 étages. 13. En comptant le rez-de-chaussée, bien sûr. Mais il y a 13. Donc, ouais, 13 étages. Et j'ai compris un petit truc aussi qui me permettra de ne pas être emmerdé par ce détail quand j'arriverai à la tienne. Un truc pour finaliser le haut du toit. Mais voilà. Ah, je suis content de moi. Par contre, toi, tu veux des étages? Enfin, oui, bah oui, tu veux des étages, mais t'en veux combien en fait? À ta tour. Tu sais que je vais m'attaquer à ta tour là maintenant, une fois que Dimitri aura daigné venir jeter un coup d'œil à ma construction. Là, je suis en mode Zenyatta sur la pointe de la tour en haut, quoi. Il y a un chouette point. Ah! Qu'est-ce que tu fous là? C'est qui ça? Ah, mais c'est Scorpion. Voilà. Du coup, Seb, t'as le point de vue, enfin, le truc paysage, quoi. Plus, plus. Ouais. Invisible. Oui, je l'ai vu. Oui. Enfin, j'avais commencé à la regarder. Et surtout, j'ai envie de dire. Ça, bon, je l'aime bien je l'aime bien Tom Holland, mais surtout c'est sacrément hypocrite de la part de Marvel, vu qu'ils nous ont fait un putain de spoil en balançant la bande-annonce de Spider-Man, quoi. Donc j'ai envie de dire, mais mec, t'es sérieux là? Ah. Enfin voilà, donc tu la trouves comment la tour, Seb? Ouais, mais quand t'es loin, tu vois moins les trucs. T'as daigné venir voir la mienne, donc je vais aller voir la tienne. Et bien sûr, Mag, elle arrive pile à ce moment-là. Je ne parlais pas d'appareil génital, hein, mais de construction dans le jeu. Mais non, non, pas de quoi. Est-ce que moi je peux juste parler du titre que vous avez mis sur la partie? C'est pas moi, c'est Dimitri. Il the Führer. Ah, pardon. Ouais. Plus ou moins. Tiens. Charlie Excuse-moi, fait ça, espèce de c'est cool. fasciste. What? Je crois que je vais t'inscrire sur la liste de Schindler, toi. Ah, mais en fait. En fait, toi, t'as arrangé ton truc par-dessus la construction existante, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal, ouais. Ouais. Bon, ben, je vais aller construire m'attaquer à la tour du petit scorpion. Coucou. Bonjour. Bonjour.
Ah, je te vois, Seb, j'arrive, j'arrive. Non, non, je te vois là. Voilà. Je te vois là, le petit moustique qui flotte. Et pourquoi moi je suis en mode Zenyatta et du coup vous êtes tout droit là? Viens là, viens là, viens là, viens là, je te dis. En fait, il a pris une espèce de, tu sais, de ruine ou je sais pas quoi, un truc existant, et il a mis le sien par-dessus, quoi. Son truc par-dessus. D'ailleurs, du coup, j'ai envie de dire, du coup, ça me donne envie de faire un truc similaire, mais pas à cet endroit, quoi. Ouais. Et ça pète sa race, du coup, mais du coup, moi, ça m'intéresse pas mal, mais je sais pas si ça vaudrait le coup d'en mettre un chez moi, quoi. Bah en fait, quand je l'ai construite, tu sais, bon, bref. Ah ouais. Ouais, mon gars. La cabane au fond du jardin. Ouais, petit caca, ça fait du bien. Ouais, là, il y a le petit. Là, il y a un petit. De ce côté. C'est bien parce que d'un côté il y a un petit campement et sur un autre côté il y a aussi quelques habitations et puis il y a un autre groupe, il y a trois groupes d'habitations autour de lui. Oh, mais près de chez nous, Seb, il y en a un point de spawn de mammouth, tu veux que je te montre où il est? T'en as toujours. Bon, ben je vais. Tiens, je vois quelqu'un qui vole là-bas. Tu m'as pas répondu, combien d'étages tu veux? Ouais, mais ça va, c'est bon, je me suis calmé pour lui. Parce qu'après, je veux dire que je t'en fasse un ou 50, façon de parler, le problème de la remplir, de l'agrémenter, ce sera à toi, hein. Ça je le ferai pas à ta place. Il va. D'accord. Un peu au-dessus? Oui, je crois que je suis en train de voler près de toi là. Ah, au niveau de la fenêtre là, non? Ok, bon ben je vais commencer, hein. Ah. Hop là. On va aller voir le prochain Spider-Man. Bah oui. Par contre, Seb, je l'ai regardé quand partie la bande-annonce. Donc j'en sais assez pour savoir que le film il sera bien distrayant. Par contre. Au niveau scénario, je pense qu'ils, je sais pas ce qu'ils ont pris, mais ça doit être du bon, hein. Ils t'ont Ça sorti un va. truc en gros d'univers parallèle quoi. Genre le bordel avec Thanos, ça a créé des failles machin chouette, et que le mec que Mysterio, le mec, c'est un mec qui vient d'un de ces trucs-là quoi. Ils l'ont même pas intégré à leur univers. Non, c'était pas Campana, c'était Tu vois le délire ou pas? non. Elle est très gentille, il n'y a pas de soucis, oui. Qui est très En plus, ce gentille? qui est bien avec elle, c'est qu'elle a fait toutes les ordonnances, c'est pratique. Ah, le gros paquet, je crois qu'on avait 120 Mais dollars à chaque fois. Ah, bon. Alors, il y avait Isabelle qui était en domicile, et il y avait Ariane avec nous. On a aussi une dame ensuite il qui me a. faut Ouais, je angle. l'ai connue parce qu'elle était à mon laboratoire Sifour à Soplam. Ah, ça.
Oui, c'est ça. C'est là où je l'ai La rencontré. la Bon, la dis-toi, la je te connais. la 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 la. Elle est très gentille, elle est toute douce. Il me faut... Alors, Armature les en deux pierre trous, renforcée, ben ça doit être pour les fenêtres. on va en parler. Ah, y en a... Elles ont toutes les deux les cheveux courts. Il Il me y en a faut une des avec des lunettes escaliers et une aussi. avec des yeux. Tes escaliers à l'intérieur de la tour, avec ou sans rambarde? C'est ça, oui. Ouh, c'est... Voilà, je vais commencer avec ça. Les éléments du toit, pour l'instant, on s'en fout. Oui, alors au début on enregistre et après on pique. Ah non, attends, je veux bien on enregistre, mais il y a un peu trois feuilles, il y a trois feuilles, je peux pas enregistrer le tout. Dès que je suis arrivée, trop trop pour être trop pour moi, quoi. Là, on était déjà sans dessus. Non, non, mais après, on va faire un autre petit C'est quoi que je veux? truc. Ah oui, pour faire ta porte. Ouais, mais ça, j'ai vu aussi. Je veux juste ton épaule quand même. Alors, T'es sûr, si c'était Guillaume, là, je me serais suicidée, hein, désolé. Hein. encadrement On de serait pas arrivé porte à la en sorcier bois encore, hein. renforcée, Ouais. porte en Bon, bois par contre, on avait renforcée de tout glace fait. noire, porte en bois isolée. Encadrement de porte en pierre renforcée. Essayer Tac. jusqu'en juin, je crois, et après, elle fera plus qu'un jour. Ouais, mais je suis au courant. Bah, peut-être qu'ils vont pouvoir être un autre jour, on espère. Non? Non? Vous restez tout seul? J'espère. Je vais voir, j'ai l'impression qu'il y a la marge de quelque chose, je vous avoue. Je vois pas la tour, en fait, le coffre qui passe et tout, je crois que c'est pas la tour. Ah, je vais être dessus. Viens me montrer où tu veux ta porte, toi. Bah, j'imagine pas tourner vers ta propriété. Enfin, en fait, tu me dis, mais juste Ah, dis-moi c'est où ça. je mets la porte. Moi, j'avais pensé à ici, là. Mais bon, c'est qu'un truc. Après, si tu veux la mettre au niveau de ce carré. Alors, est-ce que c'est bien ça? Hop! Merde. J'ai eu un petit bug. Bon, ça va pour la porte? Par contre, enfin pour l'encadrement, par contre, au niveau des portes, à un moment donné, il te mettait trois trucs marqués porte lourde renforcée. Et honnêtement, j'avais du mal à voir le truc des couleurs, etc. Mais bon, là, ça a l'air de, ça a l'air d'aller quoi. Qui c'est qui fait des trucs dans Pas son trop micro? fatigué? Petit escalier devant, c'est mignon. Est-ce que tu veux enfin, une ou deux feux, enfin, est-ce que tu veux X fenêtres au niveau du rez-de-chaussée? Ou est-ce que tu attends, ou est-ce que tu voudrais qu'il y en ait juste par rapport aux étages, genre au rez-de-chaussée, ça servira à rien ou pas grand-chose, quoi. Non, mais après, je vais en mettre. Quand je vais la monter, façon de parler, parce que là tu verras un peu quelque chose, parce qu'en gros, là voilà, je suis sur le sol du truc, au rez-de-chaussée, tu vas rien voir quoi, si tu regardes, si tu t'amuses à regarder à travers quoi. Oui, je sais, il m'a un compagnon m'a appelé en disant que j'avais une qui avait des larmes baisses apparemment. Il y a eu un accident, mais Bon, je vais en mettre une déjà.
armature en pierre en forme. Ah bon? J'en ai mis autant que ça? Oh, mais je suis fou, moi. Merde! Oh, le con. Non, je l'ai vu qu'une seule fois. En fait, j'ai fait un matin et un après-midi. Mais l'après-midi, comme j'ai dit, je me souviens pas d'être tout seul parce que je connaissais pas du tout le labo. Ouais, pas plus que ça, mais. Non, moi, la seule chose que je savais pas faire, c'était enlever la profondeur. Donc pendant 2 heures, j'avais pas de temps. Rigole pas. Ouais, ouais, c'est les deux cas là, t'es arrivé. Là. Pour l'instant, j'en ai une ici non, et après, on verra en montant. On t'a guignon qui a appelé un chercheur en disant bon, pourquoi vous répondez pas? Ah non, c'est un bureau de répondeur, pardon. Ils ont demandé, ah oui, c'est calme pendant 1 heure, c'est bizarre. Ah oui, elle avait beaucoup de lignes aussi. Parce qu'elle avait dit que dans le site, elle avait plus beaucoup. Elle avait plus 10 quand je suis partie. Ça va, t'as trop crevé, t'as les deux bloqués. C'est pas bon ça. La tour de scorpion. Ce sera bien, je sais qu'elle veut aller jusqu'au bout pour une. Merde, mais je suis con. J'ai juste placé un truc à l'envers, quoi. C'est... Ah, ben pour, c'est pour qui l'infirmière? C'est pour vous ou c'est pour sa Marie-Rose? Et voilà. Mais c'est des autres infirmières. Normalement, c'était la famille qui était dans un laboratoire, puis il fait des dômes, je sais pas, je peux ça. Ah. Après, je. Bon, moi, si tu me dis que tout se passe bien, ça va. Bon, je te donnerai des nouvelles demain, si dans une semaine ou dans 2 mois, si ça se passe mieux. Là, pour l'instant, ça allait. Hein. C'est juste qu'on va. On va apprendre qu'on va faire connaissance. De toute façon, là, je suis là pendant un moment, après, je suis. Je construis une petite tour chez Scorpion. Ouais, j'espère aussi. J'espère que de votre côté ça va aller, hein, même s'il n'y a pas de logistique. De toute façon, vous savez faire, hein, il n'y a pas. Ah, je me disais bien que j'avais oublié un truc. Ah ouais? Les plafonds. Oh putain, c'est chiant ça, évidemment. Mais Cathalie, ça ne me rappelle pas samedi. Non, non, c'est juste, j'avais oublié de me faire spawner le taf. J'avais pris les autres trucs, mais j'avais oublié ça. Peut-être pas suivre le taf. Alors, Anne qui en... Alors, Anne Chacha qui envoie Ferry, toi qui envoie Guillaume. Anne qui est pas dans... Enfin, par rapport... Bon, par rapport à la dernière fois, alors peut plus. On a dit de même plus rien. Hein. C'est sûr, quand tu te fais engueuler pour ça, t'es « Ah, quand même !» Ok. Connard. Avec CI, après, on va faire ça, hein. Avec CI, ça va, je trouve. Bah, elle avait demandé à Anne-Chacha si elle avait des grands formes. Donc... T'imagines, on pourrait colorer les... Comment ça s'appelle les éléments de construction, vu comment sont formées la base des tours, c'est le logo d'Umbrella, mon gars. Ah, dis, non, mais, bon. Non, mais je dis ça, je dis rien. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Non, bah, si tout va bien, alors, je vais pas dire aussi un message en de pierre, Magda. J'ai pas eu le temps de lui répondre, la pauvre, parce qu'elle m'a vite répondu en me disant au revoir. Je dis, au revoir, hein, tout à l'heure. En fait, ça a eu des chocolats aussi, parce que j'ai demandé à Anne de pas plus manger. Non,
Non, des jets de bruges, on n'a pas eu. Un grand silence. J'avais pensé à toi, j'ai demandé surtout chocolat noir et chocolat au lait. Non, il y a des accidents aussi. Il y a des accidents. Vous avez des chocolats aussi pour Gigi et Chim. Et c'est là qu'à un moment donné, par le hasard, elle fait: mais si, j'étais au courant. Et ça, tu me dis quoi? Comment? Tu sais des trucs sur un autre mec? D'ailleurs, c'est quel violiste que tu as aujourd'hui? Oh merde, c'est qu'on fait. Comment on fait déjà avec la palue? Merde. On va regarder discrètement le cahier. Oh putain, j'ai le superviseur qui vient vérifier. je suis là. Bonjour, je suis là. Je peux chier. Est-ce que je peux chier dans un coin? Non. Non. Vous parlez de quoi? De plein de choses, si tu savais. Oh là là, si tu savais. Pourquoi je suis venu dans cette partie? Oui, mais attends, je pense que j'ai l'impression de pousser tout seul en fait. En train de réfléchir à si tu l'aimes? Ouh là là. Hein? J'ai pas compris ce qu'il a dit. De quoi? Ouais, j'étais. Dans les bons et mauvais moments, comme on dit. Non. En fait, la bonne. Bah, si, on l'a vu. En fait, la bonne formule, Mag, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ouais, mais on n'est pas mariés, on se laissera peut-être jamais. Donc. Pas encore. ta gueule. Elle aussi, elle supporte pas la disparition de Tony Stark. Dans ma chambre. Ouais. Moi j'avais compris un monsieur dans sa chambre. Aussi. Comment tu peux voir, t'es pas là. Alors les bagages sont faits. Waouh, motivé. Bah je sais pas, j'ai fait court. Après ça, je pense que j'ai un deuxième étage. Bon. Bonjour monsieur, c'est pourquoi? J'ai pas fait grand chose. Ben les triangles c'est des plafonds. Et les angles, comme leur nom le dit, c'est des angles. Ah, la matière! Ah, mais j'ai continué à faire le truc que tu dis, c'est de la pierre renforcée. Ah oui? Oui, je t'assure. C'est de la pierre renforcée, t'inquiète pas. Donc, on voit Thomas ou pas? Parce que c'est du bon cadeau pour Sim. Ah mais c'est lui qui en a parlé de ça la dernière fois, mais toi, moi j'ai retenu.
Oui, monsieur, vous inquiétez pas, je respecterai les délais. Je vois qu'il flotte au-dessus, ça m'inquiète. Pourquoi tu pars encore de Paris, Incut? Pourquoi? Face extérieure. Ouais. 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 Voilà. Du constructeur de tour officiel de la du groupe. Bah, qu'est-ce qu'il me faut là? Bah, il me faut un escalier en fait. En fait, il faut deux escaliers. Titania Storm, l'homme qui a un pseudo féminico masculino. Enfin bon, c'est compris quoi. Fury, c'est mieux STP. Bah si tu veux, si tu veux. Ah. Il s'appelle Angle. Bah c'est toujours dans le bâtiment. Hein. Alors, au pire, tu mets Pierre. Tac, tu te mets dans bâtiment et là tu cherches 1, 2, 3, 4, 4. Voilà, il est très il est tout facile à trouver. D'ailleurs, je vais même me donner la peine de compter la ligne. Quand tu tapes Pierre et que tu vas dans bâtiment, c'est là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est la 10e ligne. Ta 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 ta. Tu auras appris quelque chose aujourd'hui. Viens voir un instant. Donc j'allais dire là je suis sur un plancher, donc il va y avoir deux hauteurs de murs pour le ben pour les murs de l'étage, et donc après après je vais bricoler les trucs. Est-ce que tu voulais que je rajoute un étage ou que je commence à attaquer le toit? Ok, bon ben je fais cet étage. Bon, par contre, non, c'est vrai que tu peux. Ah, quoique, ouais, en fait, c'est toi qui verras. Ton lit ou ton truc, ton lieu de dodo principal, tu vas le mettre où? Dans ta grosse base ou ici? Oui, parce que moi, j'ai un lit double et une paillasse. Bon, je sais plus quelle matière, mais une paillasse, quoi. On n'a pas le choix de toute façon. Ah, il va lui arriver la même chose qu'à moi. Il me faut quoi là? Des fenêtres.
déplacer au mieux mes fenêtres. Tant pis. Et du coup, j'aurais pas besoin d'escalier vu que ça c'est le dernier étage. Ha, ha, ha. Bah, comme tu dis, hein. Bah, ça s'est bien passé. Comme tu dis, hein, je connais mon métier. Hein. Tout à fait. Je sais pas comprendre quoi. Oh, quand je suis arrivé, bah, j'ai passé dans tout le monde pour dire coucou, je suis là moi. Voilà. Il y en a une qui me connaissait déjà parce que j'avais déjà été dans son laboratoire. Bah, juste une journée. Hein. Ouais. Oui, on a un peu présenté l'état des lieux. Là, voilà, tout, après, hop, directement dans mes mains, c'est comme ça tout de suite. J'ai plus cité ces 30 techniques, parce que franchement, il y avait du monde. Pour une fois, le biologiste a fait son taf. Et bien. Un biologiste qui est d'ailleurs chaque fois qui vérifie ce que t'as fait, ça c'est cool. Comme ça, bon, il n'y a pas de couille. Je ne répondrai pas à ces questions. Mais voilà, c'est vrai quand c'est parti à matinée. Après, on a peut-être fait plus de dossiers que je fais d'habitude, mais au moins on a fini à 11h30. D'habitude, je ne fais jamais dans un labo. Les robots pour demain. Donc à 11h30, tu essaies de meubler un peu, tu ranges un peu ce qu'il y a autour de toi et tout. Tu dis non à ces cons patients qui viennent à midi moins le quart pour se faire prélever, tu leur dis bah non, c'est trop tard. Bah, c'est pas moi qui dis non, c'est la secrétaire direct. Donc, je dis oh, c'est cool. Oui, c'est ça, parce que là, franchement, j'avais plus envie. Bon, j'étais pas si crevé de ça non plus. Mais moi, je suis habitué à piquer grâce à Anne. Ah, lol. Il manque une paire de chaussettes. Merde, apparemment. Ils font pas de toit en pierre ? De quoi, pierre ? Ils font pas de toit en pierre, on dirait. Voilà. Donc quand à partir d'un an et demi en technique, c'est le silence total. C'est bien. Entre les employés. Après, comme dit Gisèle, on se connaît pas encore, donc c'est tout ça. J'ai eu l'impression de retourner à la salle. Ah, en tuile, peut-être. Ah, ouais. Ah, et la semaine prochaine, je fais... Putain, j'ai oublié. Je fais mardi, jeudi, après-midi. Du coup les après-midi et je fais pas de samedi, c'est cool.
Et sinon, je fais tous les matins. Bon, a priori, ça devrait aller. Donc toi, la matière de ton toit, j'ai pas trouvé pierre. Donc la matière de ton toit, ça va être tuiles et bois isolés. Presque fini. Je vole. Eh, ça fait pas le truc de tuiles, machin chouette, un truc comme ça. Parce que ce qui fait plaisir, c'est que les filles du labo m'ont envoyé des messages pour savoir comment ça s'est passé. Bah là, je disais, à un instant, vient de m'appeler. Ça fait plaisir. Tu me fais marrer. Bah après j'ai pas eu de message de Anne parce qu'elle m'a dit t'inquiète pas si je t'envoie pas de message c'est normal parce que je fais le même truc. Mais t'inquiète pas. Il y a Gisèle qui m'a raconté que bon bah comme dame Anne paraît timide, que parle et t'as Gisèle bah qui fait tout. Pas de soucis Fury, t'inquiète pas. Monsieur Scorpion, votre tour est terminé, donc je vous invite à aller contrôler le travail du maître d'œuvre, c'est-à-dire moi. Ta journée était bien, toi? J'ai vu que tu étais réveillé à l'heure où tu avais envoyé une message, je fais tiens, oh. Ouais, après tu t'es vu. Prends dans les comme ça. Dis-moi sur ces espèces de comment dire enfin, tu sais, de polygones, enfin on va dire de trucs Umbrella là, tu veux que je te mette le truc de toile? Ah ben oui, là c'est du gâteau. Hein. J'ai l'impression de partir en voyage. C'est fini. Oui. Ah non, pas vraiment. Donc, c'est un voyage.
Par contre, le problème, c'est que c'est exact là que je pas le genre de film. Il faut pas prendre conscience de ça. C'est pas nous qui l'avons dit. Hein. Un, deux, trois, quatre, six, sept, huit, neuf, dix. Il faut mieux en avoir trop que pas assez. Attends, attends, je vais finir sa tour, mais je lui fais des petits toits à certains endroits. Et hop, Edin, c'est mignon. Merde! Avant qu'il arrive. J'avais placé le... J'avais pas placé le truc de toi où il fallait. Ah merde, du coup il m'en manque. Voilà, c'est fini. Quand t'es en l'air, que tu te débarrasses de matériel machin, tiens, en faisant lâcher et tout, on dirait genre tu chies le sac quoi. Selon ce que tu mets. Ah merde, il y en a un autre là. Je l'ai pas vu. Un. Non, il n'y en a pas là-bas. Donc il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une fois que ça se sera fait, j'irai contrôler l'autre monsieur. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah d'accord, il n'a pas voulu placer. Parfait, oui. Moi, je dis que ça mérite une femme dans un gâteau. C'est mon sac. Par contre, on a un de sac ou pas? On a un de sac parce que là, c'est un trop petit. Petit. Oui. Ben, je peux pas, enfin je veux dire c'est trop, j'ai amélioré la matière et tout bien sûr, mais là c'est fini quoi. Ça a été par le premier truc que j'ai construit et bon ben j'ai essayé de. Oui bon ben écoute hein, qu'est-ce qu'on peut hein. Ouais, pourquoi pas. Je me demande si je devrais lui faire un toit. Ouais, t'es pas assez longtemps. Bah, en fait,
En fait, oui, voilà, tu ta paillasse ou ton lit, tu fais R2 une fois dessus. En fait, quand tu la poses, ça te met automatique, ça t'ajoute automatiquement un point de retour à la vie. Mais après, tu sais, tu pourrais t'endormir à Pétaouchnok, tu te réveilleras à Pétaouchnok, tu vois ce que je veux dire? Quand tu reviendras. C'est en fait les points de retour à la vie, c'est si tu meurs. Tu sais, genre, t'as été tué ou je sais pas quoi, machin, mais paf, tu vas réapparaître dans le désert, à ton lit ou à ta paillasse. Ah, oh, mais ils sont très bien ces petits trucs chez Scorpion là, je suis content de moi, dis donc. Il y a une arène juste à côté de mon labo, par contre, j'ai pensé à toi. Une araignée? Hein? Qu'est-ce que ça dit? Je comprends. Bah, J'ai entendu pour toi, tu je te sais pas. retournes dans le panneau d'administrateur et tu fais marcher. Et du coup, t'arrives pas à placer ton lit? Oh, ils sont beaux. Ils sont trop. T'en as peut-être plus. Bah, moi je vous laisse parce que j'ai du mal à faire mes valises comme ça, j'ai trop de mal. Mais Et vous en allez même temps la partir en techno chez voyage moi tous les c'est deux ou ça se passe comment, hein? Bah, je vais chercher un manque d'eau. Hein, Mag? Aïe, Quoi? vous allez partir en voyage ou quoi là? Mais non, c'est sa mère qui part. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle, Bon, même je vous laisse les je gens, lui ai à mis un plus. com sur une de ses publications, il y a ton fils qui va pouvoir en profiter pour retourner l'appartement ou une Bah connerie dis comme ça rien quoi. quoi. Bon allez à tout à l'heure les gens. Merci. À plus tard, Mag. Salut sur lui, faire caca sur lui. Fais caca sur ton lit. Ah oui! Fais caca sur lui. Après, tu pourrais très bien, ton perso, tu pourrais très bien être là comme n'importe où ailleurs. Hein. Le lit, hein, les points de spawn sont importants pour quand tu meurs. Tu pourrais très bien aller te déco alors que tu serais dans la montagne, tu vois.
Lui, c'est quoi sa capuche? Capuche sans défaut. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour teindre ça? Voyons voir. Faut des teintures bleues. Oh, j'ai failli tous nous déconnecter. Ah, mais je m'étais trompé de bouton, quoi.
Peut-être que ça lui donnera envie de faire de la teinture aussi. Mais si tu veux, bon, j'ai fait ça un peu pour enfin, emmerder, rendre hommage et tout ça. On aime bien Mortal Kombat. Et lui, si tu veux, je vais l'encourager à faire aussi de la teinture. De toute façon, ça fait partie des défis, enfin, des petits défis du jeu en plus. Mais sauf que moi, là où j'ai mis du bleu, une espèce de bleu clair. Ben lui, il va mettre une espèce de jaune. Et tu vois, ça fera scorpion. Et moi, ça ferait style Sub-Zero. Tu veux voir ce que ça donne? Pour une fois que mon perso est habillé. D'ailleurs, t'es où là? Ah, t'es chez toi. Bon, ben j'arrive. Oui! Un peu de déco. Putain, mais mec, arrête de courir dans les airs, t'as l'air ridicule, quoi. Sérieux? Oh. Ah, voilà. Zenyatta. Voilà, monsieur a fait un toit. Ah, du coup, en voyant ça, je me dis, bah, si, je pourrais faire un, comment ça s'appelle? Aussi un toit sur au truc de ma propriété, quoi. Angle de toit incliné. Qu'est-ce qui se passerait si je pétais un truc ici, très précisément? D'accord, il y a plusieurs trucs d'angle de toit. D'accord, j'ai compris. C'est juste celui-là, au-dessus. Je suis au-dessus de ton toit principal. J'ai vu que t'as mis des trucs de torches en feu mystique. Moi, j'avais été tenté de des trucs comme ça, mais je sais pas. J'ai voulu rester réaliste. Mais du coup, t'es où là? T'es à l'intérieur? T'es à l'extérieur? T'es où? Mais je veux dire, attends, j'allais dire, il y a une porte quelque part. Oui, on dirait qu'il y en a une là. Par contre, ah d'accord, j'allais dire pourquoi il y avait deux ascenseurs aussi rapprochés. Voilà, l'un ne conduit pas au même endroit. Tu veux pas sortir 2 secondes comme ça, je te montre ma tenue. Ben si, je suis là, mais bon, vu comme c'est grand chez toi, que tu me dis t'es à l'intérieur, mais je sais pas où t'es à l'intérieur, moi, donc. Je suis au niveau des monts de charge. Ouais, je vais atterrir. Panneau. J'essaie de foutre le feu. Putain, ça fait désordre, t'as les. Comment ça fait? Ah putain, il y a un mont de charge même du tout. La vache. L'herbe sur ton sol, quoi.
Mais il s'est pas arrêté, ce con. C'est lequel celui-là? Trophée dragon vert. Je suis pas spécialement trophée moi parce que tu sais par rapport aux animaux tout ça donc les trucs de chasse non, j'aime pas par contre un certain truc d'animaux que tu pourrais plus dire c'est fiction machin ouais peut-être de rejoindre un royal. Bah, du coup, ma tenue, t'en penses quoi? Ah ben, j'ai mis la couleur, justement. D'origine, elle est pas tout à fait comme ça, hein. Mais si tu veux, t'as qu'à aller voir avec Scornoob. Là, il a laissé son perso sur son lit en plein milieu de sa, en plein, enfin, dans sa base. Tu vas voir que c'est pas pareil. Fait de pêche ben, sur les murs là. Bah après, t'as pas encore mis beaucoup de trucs, mais moi, tu vois, je vais avoir du mal à apprécier totalement le truc parce que la chasse, pour la chasse, le plaisir, non, ça me plaît pas du tout. Mais bon, voilà, tu vois, le truc du dragon, si tu veux, ça reste suffisamment fiction pour me dire, bon, allez, tu peux quand même être fier d'avoir dézingué un dragon, mais les autres animaux, ah, par contre, vu la taille du truc du dragon, je me dis si à un moment donné on tombe sur ça dans le jeu, je dis oh putain, on va pleurer. Ben, on peut se les faire spawner aussi, mais je veux dire que si à un moment donné, quand on fera. Oui, je sais, mais si à un moment donné, quand on joue, tu sais, on va se faire de l'explorer, tu sais, un peu d'exploration ou je sais pas quoi, machin. Moi je te dis, hein, si on tombe sur ça, on va pleurer notre mère pour le détruire. Tu l'as soloté à la loyale. À la loyale avec des armes loyales, pas cheatées. Un truc comme ça, c'est. Non mais quand je dis chi. Bah, je sais pas, parce que vu la taille de la bête, je me dis déjà quand tu galères sur certains, etc. Moi, il y a un moment donné, même avec. Pourtant, non mais mec, bah si, il me semblait que les compétences, je les avais mis. Bon, ah, où c'est que je pourrais la mettre cette tête de dragon? Parce que vu le volume qu'elle fait, mon gars. Ça y est, j'ai trouvé. Toi, t'as pris dragon vert, je crois. Parce qu'il y en a deux, le truc. Il y a trophée dragon rouge et trophée dragon vert.
costaud la bête. Hein. Là, s'il te plaît, quand tu vois comment la tête elle est énorme et tout, je te dis, bon, par contre, elle est un peu basse. Elle est un peu basse, mais bon, le plafond ici il est pas. Attends, est-ce que je peux le renvoyer à l'inventaire ça? Ah ouais, cool. Je vais pouvoir le replacer. C'est un peu mieux. Mais si, si notre personnage il faisait 3 mètres, tu te cognerais quoi. Bien pour mes animaux. Bon. Donc pour l'instant, je vais me remettre à poil. Deux tenues sur moi, une simple et celle que je t'ai montrée et les plus belles pour l'instant elles sont dans mon coffre dans un coffre chez moi. Ouais, je pourrais peut-être faire une espèce de pyramide ou quoi sur sur le toit de mon bâtiment principal. Mais je garderai ça pour une autre fois quoi. T'as beaucoup de trucs à faire encore? Ben parce qu'en fait ben je voulais sortir du jeu ben m'occuper de ma chienne et après ben, plus tard jouer à autre chose ou je sais pas quoi, donc je vais laisser la console allumée ou quoi, mais c'est juste je souhaiterais sortir du jeu. Non, c'est pour ça que je préfère te demander avant. Oh, le pauvre, il a rien du tout en fait. Attends. Danseuse. Mon perso il entre à l'eau là. Ah ça va pas, mon dieu.
Comment ça, phase du voyage, me vêtir? Mais j'avais déjà mis des trucs. Sous ma gueule ou quoi? Ça fait moins désordre. Ah, je suis en train de me dire, ouais, non, un trophée en extérieur. Quoique, je suis en train de me dire, un trophée en extérieur, ça peut péter là, au-dessus de la porte du truc là. Mais le problème aussi, c'est le. Ouais, dragon vert, c'est dommage qu'ils mettent que rouge et vert quoi. Ouais, voilà. Oui, ben moi à un moment donné je ferai une espèce de pyramide sur mon truc, mais que vu le machin où c'est directement faire, ben, faire un truc de pyramide, je sais pas comment je vais partir quoi pour le truc. Bon bah allez, je vais mettre mon. Bon, je vais mettre le perso... je vais laisser le personnage dans la tour pour changer. Non mais de toute façon, personne. Si je ne suis pas là, personne ne peut venir. Et ceux qui et du coup. Hein? Pourquoi il est comme ça, mon tigre? Moi j'ai combien d'étages ici? Alors le rez-de-chaussée, un étage. Deux étages. Et trois étages. Oui. Bah après, je te dis, comment s'appelle, la console va être allumée, mais soit je serai sur un autre jeu, soit en train de regarder bah, une vidéo, quoi. Bah après, c'est pas parce que je suis pas sur Conan que faut te sentir interdit de rejoindre une partie ou poser la question ce que je fais, hein. Voilà, elle est mieux comme ça, ma danseuse. Ah ouais, je l'ai mise à poil.
Au départ, elle avait que les seins nus et quelques bijoux, mais j'ai foutu à poil. À toutes. Bon, ben, les personnes qui sont dans le live, désolé, mais ça faisait un petit moment là que j'étais sur Conan. J'ai bien avancé sur certaines choses, à savoir finir enfin la grande tour d'un collègue, faire une tour plus petite pour un autre, et mettre 2-3 trucs pour j'allais dire pour décorer chez moi, quoi. J'avoue, à l'intérieur, la tête de dragon, j'aurais pu m'en passer. Bah à l'extérieur, elle pète sa race. Prochain objectif, quand je reviendrai jouer, je sais pas ce que je pourrais foutre dans ma tour, mais mettre quelques trucs et puis voilà. Après, je parle pour Conan, hein, si je suis sur un autre jeu, c'est autre chose. Voilà, donc à très bientôt, et si vous êtes nouveau, ben merci d'être passé faire coucou. Et si vous me connaissiez déjà, bon ben vous savez que je peux faire venir à n'importe quel horaire, et que du coup c'est pour ça que vous n'êtes pas forcément souvent en direct avec moi, quoi. Mais dans tous les cas, c'est sympa de votre part de passer, quoi. Voilà, à bientôt.